On court comme des fous. Ça court, ça fuse, ça galope. Yo, yo, yo. On veut tout tout de suite, y'a pas le temps. Vitesse, accélération, accumulation non-stop, c'est ce qui est plus important. Prête à consommer, aussitôt prête à jeter. Le temps passe vite et la machine est déjà enclenchée. Plus de distractions, de saveurs, de goût. On pousse les gens à bout, on pousse vers le dégoût. Stress, pression, test de l'endurance mentale. Mode légal, la nervosité devient normale. Exclusion, abandon, lâche prise. Crise, le rouleau compresseur est bel et bien en marche. Course contre un mécanisme qui ne rouille pas. La marche arrière est interdite, sinon l'économie ne tourne pas. On avance à une allure complètement intenable. Tout est contestable, mais n'a pas l'air modifié. Subir, résister, persister, tenir. Car tout peut être prétexte à nous engloutir. Ça speed, ça court, ça fuse, ça galope, ça entraîne, ça entraîne. Ça donne des migraines, ça vend, revend, achète, puis s'achète. Ça casse, puis l'aide et l'ensemble passe sous pièce. Bah oui, je viens. Bah Sam, c'est la dernière livraison. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sous prétexte que c'est moi le dernier à rentrer, c'est moi qui dois me taper la dernière livraison relou alors que j'ai déjà fini. Non mais c'est bon, je la fais. Je la fais, simplement le scooter, je le ramène demain. Et la caisse aussi. Pardon ? Ah mais c'est ça où je la fais pas. Hein. Ok, allez, bye, bye, bye. Va faire la livraison. Bonsoir, vous êtes mademoiselle Nessa Dumas, c'est Pizza 30. Oui, non. Je m'en fous de la pizza. Pardon ? Vous êtes pas mademoiselle Dumas ? Si, si, mais je m'en fous complètement de la pizza. Ok, mais je fais quoi, moi, maintenant ? Enfin, je sais pas, vous l'avez commandée, il faut la payer, et puis en plus, moi, j'ai fini. Mais... non, 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 mais arrêtez, mademoiselle, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas grave. Oh, moi, j'ai fini, là... Ok, on oublie tout, je dirais que j'ai pas trouvé l'adresse et c'est bon. Ok, allez, au revoir, bonne soirée. Non, revenez. Excusez-moi, c'est pas votre faute. Mon petit ami devait me faire sa demande ce soir. Bah voilà, c'est super ça. Il m'a quitté pour ma meilleure amie, cette sale pute. Ah bah non, c'est pas super ça. S'il vous plaît, vous entrez 2 minutes. Vous avez fini votre service là. 2 minutes seulement pour pas me laisser seule parce que je me sens pas bien. Non, non, j'ai pas le droit de rentrer chez les clients, désolé. La pizza c'est 16,50€, c'est ça? Ouais. Ah, tenez, gardez tout, ça me fait tellement plaisir et puis vous êtes tellement gentil. Ok, bon bah 2 minutes alors. C'est celle-là? Ouais, c'est comme chez toi. Merci, hein. C'est vraiment gentil à toi de rester quelques instants avec moi. Je te jure, mais c'est de la déprime, là. Non, mais je comprends, hein. Ta meilleure amie et ton mec, c'est chaud, hein. Oublions ça. Vas-y, sers-toi un verre. Merci. Pendant qu'on y est, tu fumes? Ouais. Tiens, c'est open bar. Wow, ça plus le pourboire, c'est vraiment sympa, hein. Merci. Je m'appelle Sam, et toi? Moi, c'est Nessa. Mais tu peux m'appeler Ness, si tu veux. Écoute, c'est vraiment du n'importe quoi, cette histoire. Et moi qui ai cru à ces mythos qu'on allait se marier, vivre ensemble, bla bla bla. Et c'est bien foutu de ma gueule ce bâtard. Ouais, mais les mecs sont souvent très lâches et calculateurs aussi. En général, les filles sont plus cash.
dis-toi qu'il ne méritait pas. T'as trop raison. Mais tu sais quoi, mais je vais aller lui dire ses quatre vérités à cet enfoiré. Comme ça, je serai débarrassée. Non, franchement, merci parce que tu vois, tu me remontes le moral. Vraiment. C'est cool, serre-toi, hein, fais comme chez toi. Ouais, ça peut te rendre service. N'existe plus et ta pute non plus. Et puis je vais te dire, pour tes sapes et le reste de tes affaires, tu peux leur dire adieu, il y a déjà un camp de Roumains qui se les partage. Mon copain, il m'a frappé. Je vous en supplie, faites vite, il va m'entendre. Au secours, s'il vous plaît, faites vite. Ça va alors, quoi de neuf? Bah cool, et toi, ça va? T'as besoin de quelque chose? Non, ça va. Si, t'as pas du café, j'aime bien le café. T'aimes bien le café? Moi j'aimerais bien le café là. Ouais, j'ai du café, ouais. N'hésite pas, hein. Thank you.
Je suis claquée. J'ai mal à la tête, je vais prendre une aspirine. Moi aussi. Quoi? Non, moi je vais dans la salle de... Je peux aller dans la salle de bain? Bien sûr que tu peux aller dans la salle de bain. Prends ton temps. Ok, super. Mademoiselle quoi? Faites aller plus vite. Ouais, Nessa Dumas, c'est ça? Ok, bien. Appartement numéro 4. Ouais, c'est ce matin. Ça va, ouais. T'as quoi d'autre? Ouais, une minute. Agri- un avocat. Répète. On y va, c'est chaud, l'agression. Mais... Putain, il y a un mur, je crois. C'est quatrième. Venez ici, descendez, qu'est-ce qui se passe? Il a assassiné mon compagnon, il a essayé de me violer. Où ça? Il est là, dans la salle de bain. C'est où la salle de bain? À gauche, à côté de l'armoire. D'accord, calmez-vous. Ok les gars, c'est que du périmètre, toujours avec précaution, allez-y, armez-vous. Calmez-vous. On va jeter un œil, on va voir. Doucement. Calmez-vous. Police, déposez votre arme. Ok, on va 3. 1, 2. Ah, c'est juste tout qui coule. Mais je vous jure, je comprends pas, il était là. Il a tué mon copain, il a essayé de me violer. Ok, ok. C'est que les périmètres, les gars, et toujours avec précaution. Chef, entre 25 et 30 ans morts à l'étage, mais niveau suspect RS. Bon, mademoiselle, il va falloir nous expliquer la situation. Votre appartement est vide, vous êtes toute seule là. S'il était là, il est parti où? Je vous jure, je comprends pas parce qu'il était là. Ok, ok, calmez-vous. Il était dans la salle de bain? Je suis pas folle. Il a poignardé mon copain, il a dû s'enfuir. Hey chef, bingo. Bonsoir, je cherche mademoiselle Dumas, pizza 30, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je m'appelle Sam et je livre une pizza. C'est lui, il était là, arrêtez-le, il s'appelle Sam. Bah oui, je viens de le dire. Hein. Mais c'est lui, je vous dis. Attendez, j'ai gardé la facture, elle est là dans le tiroir. Hop, après c'est là, on va regarder. Samir, jette un oeil, s'il te plaît. Mais, elle est là, la facture. Bouge pas. Bougez pas. Il a 2 billets de 50 dans sa sacoche, j'en suis sûr, c'est moi qui lui ai donné. Ah bon, ça.
Écoutez, je comprends pas, je viens d'arriver là, c'est quoi l'embrouille? Bon, mademoiselle, écoutez, je demande qu'à vous croire. Mais là, faut être clair avec nous et arrêter de nous raconter des bobards. Vous êtes disputé avec votre ami ce soir. Quoi, mais putain de bordel! C'est lui le coupable! Vous me croyez pas? C'est ça, vous me croyez pas? Faut arrêter aussi, j'aurais dû te buter comme l'autre crétin là! Comment? En poids! Ah, oh putain! Oh putain! Oh, non, regarde pas, je vais te tuer, je te jure, je vais te tuer! Ouais, toi, salaud, lâche-moi, toi! Lâche-moi, tu me fais mal! Tire les cheveux là, lâche mes cheveux! Doucement, je tire moi. Calmez-vous, ça sert à rien de s'énerver, vous allez vous faire mal! Faille! Allez, vas-y. Tu sens encore à chaud. Allez, casse-toi. Allez, au revoir. Bonsoir, je réalise une étude sur les bolos. Vous auriez 5 minutes à m'accorder, s'il vous plaît? Oh, je déconne, c'est moi. Bah, c'est Sam. Eh, qu'est-ce que je veux dire, j'arrive dans 10 minutes, là? Au fait, je ramène de la tease, hein. Bah ouais, pour tout le monde. Bah, je sais, grand seigneur. Et je ramène de la weed aussi. Bah, j'essaie, je gère, ouais. Bah, combien Je sais pas, ça devrait suffire pour la soirée. Ok, bon, bah, j'arrive dans 10 minutes. Et qui veut une pizza? Ok, je ramène. J'ai dit que j'aime pas quand tu parles à une autre fille.
pouvais savoir que c'était ta cousine. Bref, fallait pas. Puis tu m'as saoulé toi aussi. Ben voilà, ça fera l'affaire.